Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de notre été 2024, évidemment l'été qui est là, qui est déjà un petit peu entamé d'ailleurs, au point de vue astral et bien sûr, je rajouterai pour chaque signe du zodiaque une carte oracle, un message en fait de la vie. Avec l'oracle message de votre flamme jumelle. Alors n'y voyez pas la flamme jumelle qui vous envoie un message, mais voyez-y en fait un message de la vie. C'est un très bel oracle en ce sens. Alors qu'est-ce qui vous attend cet été? Que vous promettent les petites planètes qui tournent dans le ciel? Je me suis surtout en fait attachée au point de vue relationnel, voire évidemment amoureux. J'ai donc privilégié le trajet de la planète Vénus, puis cette formidable conjonction qui va agir pratiquement tout l'été entre Jupiter et Mars, magnifique, et puis évidemment aussi Uranus qui rentre en jeu. Et quand ça a été nécessaire, je me suis servi évidemment lorsque certains signes étaient positionnés de telle sorte que d'autres planètes aient de l'importance. Eh bien, je vous en parle aussi après, donc dans chaque signe. Vous dire aussi que je m'éclipse des réseaux jusqu'au 18 août. Le 19 août, je reviens avec une magnifique vidéo, un peu comme celle-là, mais ça sera, vous vous en doutez, la rentrée 2024 pour chaque signe au point de vue astral. Et bien sûr, en plus, vous aurez les taroscopes de septembre, donc avec les oracles et tarots dont je me sers habituellement. Maintenant, vous avez un peu l'habitude. Donc, on se donne rendez-vous le 19 août. Sachez cependant, c'est important, que je reste joignable tout l'été et notamment je réouvre mon agenda des rendez-vous à distance de consultation le 20 juillet pour les consultations de la deuxième quinzaine du mois d'août. Par contre, vous savez que pour la consultation en cabinet, l'agenda reste ouvert tout l'été car je prends les rendez-vous pour la grande consultation de rentrée à partir, actuellement il y a de la place à partir du 8 octobre, parce que cette consultation est très demandée grâce aux cadeaux qui sont les selles d'abondance et de protection pour votre maison. Voilà, c'est dit. Et je rajoute, et après je vous aurai donné toutes mes infos pour tout l'été, alors soyez un peu patiente ou patient. Et puis c'est pour vous surtout, les inscriptions pour mes deux formations de la rentrée fin septembre sont ouvertes à la Seyne-sur-Mer dans le Var. Première formation en tant qu'astrologue, je propose depuis un an maintenant une formation de 3 jours devenir astrologue. Elle se déroulera donc les 25, je ne me trompe pas, les 25, 26 et 27 septembre à la Seyne-sur-Mer avec une solution d'hébergement, et le stage vision d'avenir, alors là qui n'a rien à voir avec l'astrologie, qui est un stage de clairvoyance en cartomancie, comment faire une consultation de voyance avec les cartes, qui se déroulera lui le 30 septembre, c'est un lundi, et le 1er octobre à la Seyne-sur-Mer dans le Var, toujours avec et solutions d'hébergement. Eh bien mes amis, ça y est, nous rentrons dans le vif du sujet. Cet été, il y a surtout 3 planètes qui vont avoir une grosse influence. Au point de vue relationnel, amoureux, dynamique, joie de vivre ou au contraire, difficulté. Et oui, ça existe. Donc, 3 planètes domineront le ciel cet été. Il y a d'abord Jupiter, qui est dans le signe des Gémeaux et qui y restera d'ailleurs tout l'été, puisqu'en fait, elle va rester dans le signe des Gémeaux jusqu'au mois de juin 2025. Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Quand on fait un prévisionnel, il faut toujours regarder Jupiter. Donc, c'est la grande bénéfique.
On va voir en Gémeaux quelle est son influence sur chaque signe du zodiaque. Et puis, je me suis attardée évidemment sur Vénus. Vénus, planète du relationnel, des communications, disons, émotionnelles. Et puis aussi, elle représente l'amour, évidemment, et les finances, ne l'oublions pas. Donc Vénus, elle est rentrée dans le signe du Lion le 12 juillet et elle passera dans le signe de la Vierge le 4 août et elle y restera jusqu'au 29 août. Donc Vénus va balayer le Lion et la Vierge. En ce sens, eh bien, elle va s'occuper de tous les signes car lorsqu'une planète est dans le signe du Lion, eh bien, les signes de feu sont concernés. Mais indirectement aussi les signes d'air qui sont en grande corrélation avec les signes de feu. Et lorsqu'une planète est en signe de terre, ce sont évidemment les signes de terre qui sont concernés, mais indirectement les signes d'eau, parce que terre et eau, ça marche bien ensemble. C'est une évidence aussi. Donc vous voyez que tout le monde va avoir finalement l'influence de Vénus cet été. Ça n'est pas extraordinaire. Entre juillet et août, Vénus parcourt toujours deux signes. Mais disons que, voilà, ça va avoir une influence sur les 12 signes du zodiaque. Et puis, on regardera beaucoup la planète Mars, parce que Mars, ce sont nos actions, nos réactions, voire même parfois notre agressivité, mais pas toujours notre tonicité, surtout notre vitalité. Eh bien, elle va être, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, en conjonction avec Uranus, qui est la planète du Verseau, volcanique, pétante. Mars aussi, elle n'est pas en reste, hein, elle déclenche les choses. Donc on va avoir dans le ciel jusqu'au moins au 20 juillet un aspect très tonique entre Mars et Uranus. Et là aussi, évidemment, ça va avoir de l'influence plus directement et plus indirectement, mais forcément sur tous les signes. Et ça, ce sera en taureau, bien sûr, là où est Uranus, encore pour 2 ans à peu près, 2-3 ans. Ensuite, Mars rentre en Gémeaux le 21 juillet. Et là, elle va à la rencontre de Jupiter. Et c'est cette formidable conjonction Jupiter-Mars qui va être magnifique et globalement bénéfique pour tout le monde. Extrêmement bénéfique pour certains signes, moyennement bénéfique, mais quand même, mais en tous les cas, très rarement négatif, puisque Jupiter, la grande bénéfique, est là avec Mars. Et Mars sortira des Gémeaux le 4 septembre. Cette rencontre, d'ailleurs, exacte, entre Mars et Jupiter, sera le 14 août. De quoi avoir un week-end du 15 août très festif, avec beaucoup de feux d'artifice. Bon, en espérant que ça ne soit pas autre chose qui flambe. Bien. Et bien sûr, je souhaite un joyeux anniversaire à nos amis Cancer de la fin juillet, Lion du mois de juillet et du mois d'août, et Vierge du mois d'août. Joyeux anniversaire à vous en cet été, comme d'ailleurs tous les étés, c'est votre moment anniversaire. Eh bien mes amis, ça y est, allez, nous allons voir maintenant les 12 signes du zodiaque avec chacun ses petites cartes, messages pour l'été. C'est maintenant. Amis Béliers, pour vous ce mois de juillet a dû commencer avec du bonheur. Beaucoup d'activités, beaucoup de tonicité. Par contre, faites attention parce que financièrement, vous avez peut-être déjà trop dépensé. Ou alors, eh bien, vous rentrez quoi dans l'été avec des finances un petit peu en bas. Donc, les astres vous invitent à être vigilante ou vigilant sur le côté financier. Ce sera tout l'été. Gardez ça dans un petit coin de votre tête. Voilà, c'est comme ça. Alors à partir de la mi-juillet, c'est-à-dire maintenant, Mars, qui est votre planète, donc elle a beaucoup d'importance, ses déplacements sont importants pour vous, elle rentre donc dans le signe des Gémeaux. Eh bien, je vous annonce que vous passerez un cap financier dans le bon sens. Peut-être une prime qui rentre, un coup de chance, une aide de la part de votre famille ou d'autres personnes, mais
ça va mieux et vous envisagez les choses correctement et en plus avec la possibilité de faire quelques petites dépenses. Bon, restez quand même vigilants. Entre la fin juillet et le 7 août, c'est la nouvelle lune qui se produit en Lion. Et Vénus rentre en quadrature, c'est un aspect de tension, avec Uranus. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous contrarier assez fortement, ben oui, mais est-ce que c'était pas prévisible? C'est vrai que je pense que vous deviez vous y attendre. Alors peut-être que vous avez mis ça loin derrière en vous disant oh, « ça viendra pas, ça se passera pas », mais si, c'est là. Alors cette planète Vénus, jusqu'au 20 août, hein, pratiquement, va être donc en quadrature aspect de tension à Uranus, mais aussi à un moment à Jupiter-Mars, et en opposition à Saturne, donc entre le 8 et le 20 août. Ça fait beaucoup, mais ça ne vous concerne pas que vous, puisque c'est dans le ciel général. Mais pour vous, vous allez être obligé de vous poser. En effet, en même temps, la planète Mercure, communication, mentalisation, réflexion, sera rétrograde. Ça veut dire que, eh bien, j'oserais presque dire pour une fois, vous allez vous poser tranquillement, vous allez avoir la capacité de réfléchir sans trop d'émotionnel, en tous les cas, de façon non primaire, secondaire, en vous posant. C'est très important parce que vous avez du mal à ça, mais là, vous allez y arriver. Et franchement, ça va être très positif. Jusqu'à la fin du mois, du coup, vous trouverez une solution ou des solutions, ou bien tout simplement, le ciel se dégagera d'une façon très impressionnationnante. Autant comme ça vous est tombé dessus un moment, autant comme là, ça se lève d'une façon presque encore plus magique. Donc, vous voyez que c'est quand même super. Finalement, ce sera un été où vous allez beaucoup évoluer dans votre façon surtout d'aborder les problèmes. Ça sera plus façon Zébulon, mais calme, en tenant compte de tout ce qui est là, de tout ce qui est présent, et surtout sans y mettre un orgueil mal placé ou une envie de tout casser, etc., ou de foncer droit devant. Voilà, ça sera posé et calme, et ça c'est quelque chose de nouveau pour vous, et vous en tirerez complètement de grands bénéfices. Et voyons maintenant quel est pour vous le message de l'oracle. Nous avons un cheminement. Tiens, chaque voyage commence par un rêve. Je vous souhaite un beau voyage pour cet été. Dans la tête ou réel? À vous de voir. Amis taureaux, en cette mi-juillet, eh bien c'est vous qui avez la grande responsabilité d'avoir chez vous la conjonction entre Uranus, le volcan, et Mars, celle qui déclenche tout. Mais en même temps, Mars, c'est notre colonne vertébrale, nos actions, nos réactions. Sans elle, on n'aurait aucune tonicité. Il n'en demeure pas moins que c'est une conjonction très pétante, très explosive. Mais en même temps, cette conjonction fait un magnifique aspect par le Soleil avec Neptune, Saturne et Pluton. C'est superbe. De quoi faire des pas de géant dans votre vie. Vos relations, vos projets et même une certaine renommée, soit parmi les vôtres, soit au travail, bref, dans votre milieu habituel. En fait, votre famille est particulièrement privilégiée en ce mois de juillet. Mais en même temps, il faut quand même le dire, il peut y avoir aussi, si vous êtes célibataire, une superbe rencontre, mais qui sera une rencontre faite vraiment pour durer. C'est pas comme ça, une petite rencontre, gna gna gna, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très important pour la suite. Vers la fin juillet, Mars vous quitte. Franchement, là, on peut dire que vous allez respirer, parce que déjà avec Uranus, qui est chez vous depuis à peu près 11 ou 12 ans, hein, si mes souvenirs sont bons, ça a déménagé, chaque fois il y a eu des cycles et tout.
Mais là, avec l'arrivée de Mars, c'était le summum. Bon, elle vous quitte, elle rentre en Gémeaux dans les 15 derniers jours là de juillet, et vous allez pousser un grand ouf. Vous allez enfin pouvoir vous reposer en même temps en bénéficiant de tout ce qu'elle est venue déclencher et mettre en place. Là encore, c'est du coup le foyer ou la famille ou cette fameuse rencontre qui avance bien. Vous aurez beaucoup de satisfaction à ce niveau-là. Entre la fin juillet et le 7 août, on assiste à la nouvelle lune en Lion. Et cette nouvelle lune en Lion, elle vient encore insister sur le côté relationnel dans votre famille ou, une fois de plus, je le redis, avec cette nouvelle rencontre qui a eu lieu. En plus, c'est le moment qu'a choisi Vénus pour passer du Lion au signe de la Vierge. La Vierge, signe de terre comme vous, une grande amie à vous, toutes les planètes en Vierge, pour vous c'est du pain béni. Vénus qui passe en Vierge, le bon relationnel, l'amour, voilà encore un aspect, elle y sera jusqu'au 29 août, qui va vous porter en relation dans la famille, auprès de vos amis, en amour. C'est super. Et puis donc après du 8 août au 20 août, eh bien écoutez, il n'y a rien de particulier si ce n'est que, d'après moi, vous serez en paix, vous aurez du bonheur au quotidien, de voir les vôtres, d'être avec les vôtres, sans doute serez-vous en congé, en tout cas vous pourrez profiter de votre famille, vous allez peut-être recevoir du monde ou au contraire être accueilli, mais voilà, on sent des relations douces, des relations saines, des relations agréables, avec certainement quelques petites anicroches, mais comme chez tout le monde, globalement, c'est un temps très précieux pour vous et qui vous tient à cœur. En tant que taureau, vous avez besoin de vous ressourcer auprès des vôtres dans le calme. Et puis, à peu près du 21 août jusqu'à la fin août, eh bien, il y a des projets du coup qui vont émerger. Alors, soit des projets en famille, peut-être des enfants qui quittent le nid pour s'installer, ou peut-être un bébé qui arrive, ou peut-être que vous emménagez avec quelqu'un, des projets mais qui vont vous coûter des sous. Là, vous tirez un peu le nez. Mais, je dis ça, mais parce que c'est vrai que vous êtes un peu comptable, vous, quand même, quelque part dans votre vie. Vous, disons que vous êtes un signe de terre et vous avez besoin d'avoir une bonne assise financière, sinon ça vous angoisse. Bien. Il y aura donc quelques frais à venir et vous allez réfléchir à tout ça, peser le pour, peser le contre. Mais sachez que tout ça est dans un cadre d'évolution important pour vous, intéressant. Et vous trouverez bien sûr là où il faut y aller ou là où ce sera du superflu en dépenses. Je vous fais confiance. Un été donc qui verra chez vous un changement, disons... Pas un changement brusque, mais un changement dans la structure familiale, dans votre façon d'aborder le foyer, soit parce qu'il y a un événement heureux dans votre famille qui est déjà là, soit parce que ben, vous faites une rencontre très importante pour vous et qui va certainement durer pour la suite. On peut vraiment dire que la rentrée sera pour vous porteuse de nouvelles aventures à venir. Alors, on va regarder quelle est la carte qui vient à vous. Donc, quel est le message de la vie pour vous, pour cet été, taureau ? L'amour de soi. Je vis au fond de toi. Alors, vous voyez que quelque chose va émerger. D'une autre, de votre foyer, qui va vous booster. Magnifique. Bel été à vous, amis taureaux. Amis gémeaux, en cette deuxième quinzaine du mois de juillet, vous allez bouger beaucoup. Alors, ça peut être de vrais déplacements matériels, vous venez, mais ça peut être aussi des gens qui viennent vers vous, de nouvelles communications, de nouvelles relations. Voilà, ça sera très porteur pour vous de nouvelles connaissances, de la communication intéressante, légère, fluide, mais aussi porteuse de sens. On pourrait même penser aussi à une nouvelle rencontre, évidemment,
selon là où vous en êtes et si c'est votre désir, une nouvelle rencontre amoureuse. Mais toutes ces rencontres, voire cette nouvelle rencontre, remet beaucoup de choses en question. Alors, après, c'est à vous de voir dans votre vie où vous en êtes. Si vous étiez dans un couple un peu bancal, qui était déjà un peu sur la fin, il est évident que ça sera un grand moment pour vous pour faire une bascule, pour laisser cette affaire-là qui ne tourne plus grâce à une rencontre. Mais maintenant, ça peut être aussi pour vous un changement dans des rencontres. On peut vous proposer quelque chose, monter une affaire ensemble, etc. C'est une communication dans cette deuxième quinzaine de juillet qui vous porte haut et loin. Que ce soit sentimental ou que ce soit personnel, disons. Et puis, à partir du 17 juillet, la planète Mars, qui était dans votre dos, en taureau, rentre chez vous. Alors là, étant donné qu'il y a Jupiter chez vous, ne l'oublions pas quand même, hein, la grande bénéfique, la meilleure, donc jusqu'en juin 25, vous êtes porté, vous êtes la star de l'année. On vous l'a dit, on vous l'a redit. Voilà, je le dis encore une petite fois au cas où vous auriez oublié. Mais en plus, la planète Mars qui va donc à la rencontre de Jupiter, c'est extraordinaire. Parce que Mars, c'est la vitalité et les actions. Avec Jupiter, la conjonction de Mars-Jupiter, c'est une conjonction très porteuse. Les actions sont bien placées. On a les moyens d'agir, la vitalité est là, la capacité de réflexion par rapport à sa propre vie, les bonnes décisions que l'on prend. Bon, vous voyez que waouh, 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 trois fois waouh. Et toujours la planète Vénus, qui est située de telle sorte à développer vos contacts, ou bien à vous envoyer cette fameuse rencontre. Entre la fin juillet et le 7 août, c'est la nouvelle lune en lion. Alors le lion est très dynamique pour vous, vous entendez bien avec le lion. Et donc c'est un formidable flush de plus. Alors que Mars est vraiment pratiquement à la rencontre de Jupiter chez vous. Elle se rapproche. Je pense que c'est vraiment une des meilleures périodes de l'année pour vous. Aux alentours du 7 août, Vénus rentre dans le signe de la Vierge. Alors, c'est un peu un moment compliqué pour vous. Vous n'aimez pas trop le signe de la Vierge, qui est très terre-à-terre, qui vous rappelle vos devoirs, etc. Et dans une période où vous êtes tellement bien porté, tellement sur le nuage, c'est le cas de le dire, vous le signe le plus aérien du zodiaque, elle vient vous ramener un peu les pieds sur terre. Alors, avez-vous oublié quelques obligations familiales? Est-ce que vous avez squeezé des choses que vous aviez à faire et que vous n'aviez pas trop envie de faire en disant « on verra plus tard ». Il y a des choses qui vous rattrapent un peu là matériellement. Ça va vous énerver profondément, mais c'est comme ça. Hein. Bon, voilà, il faut bien faire ce qu'on a à faire, même quand tout va bien. Il est possible aussi que, en fait, vous ayez surtout envie de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de sous, ben, par plaisir, pour vous, pour les vôtres, pour les gens que vous aimez, peut-être pour cette belle rencontre que vous avez faite. Mais bon, c'est pas trop le moment pour vos finances. Ça peut être ça aussi qui coince un peu. Hein. Et oui, c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Bien. Et puis, le 14 août, c'est la fameuse rencontre exacte, donc dans votre signe, entre Mars et Jupiter. Alors, c'est quand même une explosion de bonheur et quelque chose qui est tellement porteur que je pense vraiment que ça va effacer le reste. Ceci dit, faites attention à vos dépenses. Et enfin, à la fin août, du 21 à peu près, jusqu'à la fin du mois, Vénus va vous accompagner pour vous aider à sortir la tête de ces contingences matérielles. Soit parce que ben, vous aurez quelqu'un qui vous aide financièrement, par exemple, ou bien parce qu'on garde vos enfants, finalement. Vous trouvez un moyen de garde et vous pouvez plop, plop, aller voyager, aller vous promener, vous voyez. Voilà, vous trouverez une solution. Et donc, ben, vous serez très heureuse et très heureux de tout cela. Et vous aborderez la rentrée en toute confiance. Alors, si on résume un peu cet été, amis Gémeaux, c'est votre été. On ne peut pas dire autrement, c'est vous le signe phare de l'été. Alors, ça ne sera pas tous les jours facile,
Parce que, étant donné que vous serez tellement porté haut par l'ambiance, par les astres, que de temps en temps, vous aimeriez aller encore plus haut. Et vous avez bien raison. Mais voilà, il y a des choses qui vous retiendront. Bon, mais croyez-le, vous aborderez la rentrée avec un grand bonheur et puis des choses, beaucoup de choses qui auront été finalement réglées. Alors nous allons voir maintenant pour vous donc le message de l'oracle pour cet été. Allez. Un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve. Et ça sera bien vrai pour vous. Un voyage qui vous mènera loin. Bel été à vous, Anne Gémeaux. Ami Cancer, d'abord joyeux anniversaire à vous Cancer du mois de juillet. Mais là, évidemment, je parle pour tous les cancers. Alors, Vénus est passée en Lion le 12 juillet. Elle vous a quitté, elle était chez vous. Bon, mais étant donné qu'elle a été chez vous pendant un mois, je suppose, surtout au moment de votre anniversaire, un petit peu, hein, quand même, plus ou moins, quoi. Eh bien, je suppose qu'elle a fait son travail. Vénus, planète de l'amour, des belles relations, j'ose penser que ça s'est bien passé pour vous et que vous abordez cette deuxième quinzaine de juillet dans de bonnes conditions. Alors là où elle est, c'est-à-dire donc devant vous, elle représente vos possessions. Alors, possession au sens large du terme, elle peut représenter un côté financier, c'est-à-dire de belles rentrées d'argent qui vont arriver, ou une aide familiale sur votre route, mais elle représente évidemment aussi, elle peut représenter le prolongement d'une rencontre que vous avez pu faire, ou bien d'un couple qui a de beaux projets. En tous les cas, de belles avancées arrivent pour vous en cette deuxième quinzaine de juillet. Alors évidemment, en même temps, il y a la planète Mars qui rentre en Gémeaux dans votre dos. Donc, elle va à la rencontre de Jupiter qui est en Gémeaux et ça, c'est une rencontre exceptionnelle au niveau de la vitalité, des possibilités nouvelles, etc. Donc, comme c'est dans votre dos, ça veut dire qu'il se prépare pour vous dans cette deuxième quinzaine de juillet aussi quelque chose de très important, de matériel qui va vraiment exister et qui va arriver chez vous à la fin août. Alors, si on reprend entre la fin juillet et le début août, c'est la nouvelle lune en Lion, dans le signe du Lion, juste devant vous. Et cette nouvelle lune va vous tirer en avant. Alors, imaginez-vous, ami Cancer, comme vous êtes placé. À la fois, vous avez dans votre dos la rencontre de Mars et Jupiter qui va vous poussez en avant, qui prépare des choses très importantes pour vous. Et en même temps, il y a cette nouvelle lune en Lion qui est juste devant vous, qui vous tire en avant. Bref, on vous pousse, on vous tire. Franchement, là, si vous ne sentez pas que quelque chose se prépare, c'est que vous n'êtes pas dominante du signe du Cancer. À peu près du 8 août jusqu'au 20 août, eh bien, Vénus est en Vierge. Et là, elle vient titiller l'aspect social de votre vie. Disons l'aspect relationnel large. Vos réussites, votre image sociale. Mais comme elle sera en aspect de tension avec pas mal d'autres planètes, ça peut vouloir dire que vous avez quelques blocages qui arrivent, en tout cas dans votre tête. Ça peut être tout simplement du stress. Pas forcément matériellement. C'est ça qui est drôle. Mais c'est vrai, ami Cancer, que vous êtes un signe assez discret. Et puis surtout, vous savez que vous êtes le signe le plus émotionnel du zodiaque. Donc, les choses vous font peur. Même quand c'est le bonheur, ça vous fait peur à toujours vous dire « Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que ça va durer ?» Et donc, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, ce sont des aspects à la fois superbes et à la fois des aspects de tension. Et vous, la tension, c'est compliqué à gérer pour vous. À partir du 21 août, le temps se lève parce que Vénus perd ses mauvais aspects, ou tout au moins, elle en gagne d'autres qui sont excellents. Et donc, vous allez voir que vous aurez passé les barrages. Voilà, vous allez les passer un à un tranquillement. Et du coup, dans ce temps-là, vous allez réussir
un superbe tour de force. En conclusion, si vous voulez, de cet été pour vous, vous allez vous rendre compte, après, hein, quand vous vous retournerez un peu sur l'été, que ça a été une formidable étape relationnelle. En fait, certaines choses vont se régler relationnellement, qui ne s'étaient jamais réglées jusqu'à présent, ou que vous aviez laissé de côté par peur d'y aller, par peur de l'affrontement. Là, la vie fait que ça va venir, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous positionner, il faudra prendre acte et puis rétorquer, répondre. Bref, vous situer par rapport à tout cela et dire ce que vous pensez. Eh bien, vous sortirez de cet été en ayant les résultats de tout cela à la fin septembre et vous serez étonné du résultat positif. Ça vous engagera à prendre position, sans peut-être dans la suite de votre vie. Voilà, quand on a une bonne expérience, on se dit, eh bien, après tout, j'avais peur. Non, ça fonctionne, je vais renouveler cela. La carte message qui vient à vous en cet été, pour vous accompagner, le petit message de l'oracle. Le lien. Notre appartenance est intemporelle. Eh oui. Voyez, ami Cancer, un été où vos liens actuels vont passer une étape et vous terminerez l'été avec peut-être d'autres liens ou bien les mêmes, mais sous une autre forme, d'une autre façon qui vous permettra d'avoir une posture beaucoup plus vraie qui vous ressemblera plus. Je vous souhaite un magnifique été à millions. Et évidemment, vous êtes totalement concerné par cette deuxième quinzaine du mois de juillet, puisque Vénus est chez vous. Vénus, planète des relations formidables, en tout cas des relations intéressantes, planète de l'amour, évidemment. Donc, communication en exergue. Mais cependant, lorsque Vénus est chez vous, à millions, vous avez tendance à être dans une passion irraisonnée, irraisonnable. Alors attention quand même, parce que les aspects de Vénus vont se compliquer au cours de l'été, et notamment quand elle va passer en Vierge, il ne faudrait pas que vous tombiez de haut. Donc, la passion c'est formidable, surtout en juillet, hein, mais que, éventuellement, regardez bien où vous mettez vos pieds, que ce ne soit pas forcément un feu de paille. Voilà, à vous de faire attention à cela. Et si vous avez envie d'un feu de paille, eh bien, ok, ça sera un feu de paille alors. Du 17 au 28 juillet, vous avez un formidable coup de chance par rapport à vos projets. Alors, selon les projets que vous avez évidemment, est-ce que ce sont des projets de rencontre? Est-ce que ce sont des projets de famille? Est-ce que ce sont des projets de travail? Il y a là un aspect qui vous porte véritablement très en hauteur. On peut même dire que vous retrouvez vos marques, votre charisme léonesque. Ou léonien, je ne sais pas exactement comment on dit. Vous avez compris. Et ça va totalement vous réussir. Entre la fin juillet et le 7 août, c'est la nouvelle lune chez vous. Ça n'est pas rien quand même. Une explosion de dynamisme et de vitalité. Mais en même temps, Vénus vous quitte. Elle passe en Vierge. Et bien justement, c'est positif parce que, comme je vous l'ai dit au départ, vous avez peut-être fait une grande rencontre qui vous a vraiment remué le cœur. Et là, au moment de cette nouvelle lune, et bien, on rentre donc dans un nouveau mois lunaire, ça engage à la nouveauté. Et Vénus qui vous quitte, eh bien, vous y verrez sans doute beaucoup plus clair. Alors soit vous vous rendrez compte que cette Vénus qui passe en Vierge, qui va devenir très réaliste, hein, eh bien en fait c'est une relation qui vous convient, qui peut durer, vous en êtes certain et vous aurez raison. Ou alors pouf, voilà, le feu de paille s'éteint et on va passer à autre chose. Maintenant, Vénus qui rentre en Vierge peut aussi vous donner beaucoup de réalisme par rapport à votre foyer, à votre famille, et donc enclencher de nouveaux projets ensemble. Cependant, Vénus qui passe en Vierge, donc pour vous ça représente le domaine des possessions,
peut aussi signifier, étant donné qu'elle sera très rapidement en opposition à Saturne, le principe de réalité, les économies, etc. Ça peut aussi signifier qu'il faudra bien resserrer la vis des dépenses. Peut-être que vous en avez trop fait, ou peut-être que vous aviez des projets trop importants. À vous de voir. Il peut y avoir aussi un peu cette idée. Je reconnais que c'est un peu le cas de tout le monde cette année. Vénus en opposition à Saturne, ça réduit un peu les dépenses. Ou tout au moins, il faudrait le faire. Et puis en fait, jusqu'au 20 août, la planète Mercure, qui représente la mentalisation, la réflexion, les communications aussi, sera rétrograde chez vous. Mercure rétrograde, ça veut dire qu'on rentre dans un temps de réflexion, de prise de conscience, de mise au point. Et ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez sentir que vous en avez besoin, parce que comme je vous l'ai dit, soit vous avez des projets pour, en famille, etc., qui demandent à être un peu réalistes ou revus, peut-être à la baisse, ou bien planifiés de façon plus importante dans le temps, soit vous avez eu une fameuse rencontre, un peu coup de foudre comme ça, qui peut-être, finalement maintenant, prend le temps de se poser et de vraiment avancer. Et voilà, et donc vous avez besoin, vous rentrez dans un temps de réflexion, tout simplement, en dehors de tout émotionnel. Et puis du 21 au 29, vous aurez trouvé les solutions ou la solution, ou bien tout simplement, vous serez en tous les cas sur les rails de quelque chose qui fonctionne, qui marche. Vous aurez réévalué, vous aurez revu, vous aurez réfléchi, et là, on est parti pour quelques mois quand même. Globalement, finalement, cet été pour vous, amis lions, sera un été passerelle qui vous amènera à un changement, à un tournant, et finalement, à de magnifiques nouvelles mises en place qui seront pour novembre. Et maintenant, nous allons voir pour vous le message de l'oracle. Épouse ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Elle est belle cette carte. Mais vous voyez qu'on a des mises au point à faire. Alors soit dans votre foyer, soit sur une rencontre. Super. Bel été à vous. Amis Vierges, vous entamez cette deuxième quinzaine du mois de juillet avec Vénus dans votre dos en Lion. En fait, elle sera très bien placée avec Uranus-Mars d'un côté et d'un autre côté Neptune-Saturne. Alors, Vénus, planète des belles relations, planète de l'amour, dans votre dos, avec de très beaux aspects sur elle-même, il se passe quelque chose dans votre dos ou dans votre tête. En tous les cas, c'est relativement secret. Et soit c'est une idylle qui est en train de naître, soit c'est un couple qui existe déjà et vous êtes en train de préparer en secret de nouveaux projets. C'est tout à fait possible, mais quelque chose se trame pour votre plus grand bonheur. Il peut déjà y avoir, par rapport à cela, une très belle surprise à la mi-juillet, dans le sens où, effectivement, là, maintenant, vous vous sentez sur les rails et vous sentez qu'un élément du puzzle est rajouté dans ce sens-là. À partir du 17 juillet, pour vous, jusqu'au 28 à peu près, la planète Mars rentre en Gémeaux et elle déclenche des affaires à régler pour vous. Alors, est-ce que ça veut dire que vous bouclez votre année de travail et que vous finissez vos dossiers, vous avez des choses à terminer, vous vous préparez pour la rentrée, c'est tout à fait possible. Tel qu'on vous connaît, vous vous organisez bien longtemps à l'avance. Vénus est toujours dans votre dos, elle se rapproche de vous. Ah, attention, on y arrive. Et donc, de la fin juillet au 7 août, il y a deux choses très importantes. D'abord, la nouvelle lune en Lion, donc encore dans votre dos, qui va déclencher les choses. Et oui, parce qu'en plus, Vénus rentre chez vous. Tout se déclenche. Une vague émotionnelle vous submerge.
C'est rare chez vous, mais ça arrive. Dans le bon sens en plus. Alors, est-ce que c'est la déclaration d'amour d'une personne que vous aviez visée dans votre optique, c'est possible ? Est-ce que dans votre foyer, il y a un grand bonheur qui arrive, un enfant, on peut acheter la maison de nos rêves, etc. Hein, il faut voir ce que c'est selon là où vous en êtes, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce qu'un enfant vous rend heureux par une réussite ou est-ce que vous devenez grand-père ou grand-mère ? Je n'en sais rien. Mais en attendant, il y a une vague véritablement d'amour, de tendresse qui va vous porter à travers aussi cette nouvelle lune. Ensuite, à partir du 8 août jusqu'à peu près au 20 août, vous allez vivre là-dessus. C'est-à-dire que soit vous vivez votre amour, ce nouvel amour, soit dans votre foyer, vous mettez les choses en place. Bref, mais il va y avoir un petit couac, pour tout le monde d'ailleurs dans le ciel, parce que Vénus, à un moment, est en opposition à Saturne, donc ça vous touche particulièrement parce que pour vous c'est en face de vous, avec Saturne qui est en poisson. En même temps, il va se mettre en quadrature avec Mars, avec Jupiter, donc ça peut être un peu compliqué, mais ça sera compliqué au niveau matériel. Ce sont des choses à poser, peut-être des finances. Vous avez peur, vous êtes stressé si vous achetez un bien, si vous êtes avec quelqu'un, enfin si vous avez fait une rencontre, ça vous stresse parce que vous vous posez est-ce que c'est la bonne personne. Vous savez, vous avez beaucoup comme ça, vous, de stress dans la tête pour l'avenir. Vous êtes une ou un angoissé de l'avenir, disons matériel. Hein, voilà, vous avez peur de manquer, et si je fais ça, est-ce que ce sera bien? Et si je me mets avec cette personne, est-ce que mes enfants, ça leur conviendra en fait, etc., etc. Toutes choses qui arrivent, qui vous submergent, surtout quand vous êtes un peu dans une phase de changement. Hein, ça, c'est dur pour vous. Mais, du 21 au 29 août, la rétrogradation de Mercure, votre planète, eh oui, la mentalisation, la réflexion, entre justement vous et le signe du lion, hein, elle va un peu se balader, ça va être du pain béni pour vous. Parce que, ouf, vous retrouvez votre quant à vous, votre posture, votre réflexion, vos bases de travail dans votre tête, et bon, vous allez pouvoir décortiquer tout ça, poser tout ça à plat, et ça va vous réussir. En conclusion, un peu de cet été pour vous, eh bien, ça va être un été très porteur, parce que même déterminant, pour vous lancer dans un relationnel différent. Alors, comme on l'a dit, soit vous êtes en couple, ça marche très bien, mais ça va bouger d'une façon ou d'une autre, soit vous êtes célibataire et, d'après moi, vous allez faire une rencontre importante. Et tout ça, quand même, ça va vous stresser d'une façon ou d'une autre, mais pourtant, ça sera très bien porté au bout du compte. Un peu compliqué à organiser, mais impossible n'est pas vierge. Allez, on va voir pour vous le message de l'oracle, justement. Qu'est-ce qu'il vous promet ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Un cheminement, ça fait 3 fois qu'elle sort. Eh oui, comme quoi, hein ? On chemine cet été, et c'est vrai. Chaque voyage commence par un rêve. Et oui, un rêve dont vous saurez faire une réalité. Bel été à vous, amis vierges. Amis balance, que de projets pour vous en cet été. Il y aura eu un avant l'été 24 et un après l'été 24. Et oui, ça bouge beaucoup pour vous. Et tout ça pour votre plus grand bonheur. Et je vais vous dire, l'éventail est large. Alors, j'ai noté une nouvelle rencontre, si c'est ce que vous voulez. Dans le couple, un bébé, l'achat de la maison de vos rêves, un départ ailleurs ensemble. Au niveau personnel, une montée en puissance dans votre travail, dans l'image sociale, du succès garanti pour l'automne. La deuxième partie du mois de juillet pour vous,
c'est la baraka. Mars, nos actions, nos capacités à réagir, notre dynamisme et notre vitalité rentrent en Gémeaux, signe très ami avec vous, qui représente le domaine de votre grand bonheur. Pas besoin de faire un dessin, ça déclenche. Ça déclenche une période très porteuse pour vous. En plus, Mars en Gémeaux, elle va à la rencontre de Jupiter, qui déjà vous porte énormément. Parce qu'on l'a dit ça, hein, dans ma vidéo de l'année, je vous invite à y retourner, vous verrez. Vous êtes avec le Verseau en tant que signe d'air, les premiers à profiter de Jupiter en Gémeaux, qui est un signe d'air évidemment comme vous. Donc, cette deuxième quinzaine de juillet va vous parler de bonheur, de grande vitalité, de facilité de mise en place. Tac, ça tombe, on pense un truc, ça marche, on appelle, on a une réponse. Voilà, hein, on cherche, on trouve. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est sympa. Des actions bien portées, des actions bien menées qui donnent beaucoup de résultats positifs. En plus, à ce moment-là, Vénus est en sextile à Jupiter qui vous protège. C'est l'aspect de chance par excellence. Bon, alors vous avez compris, quand on dit c'est la baraka, c'est la baraka. Entre la fin juillet et le 7 août, la nouvelle lune en Lion, le lion que vous appréciez et qui vous apprécie beaucoup aussi, eh bien va, ouf, véritablement déterminer l'assise de tout cela. Un nouveau mois lunaire commence et vous êtes en plein dans les énergies d'une montée en puissance vers un grand succès, quel qu'il soit, quel que soit le domaine que Jupiter en Gémeaux représente pour vous. Ça, il faut voir dans votre ciel de naissance. Entre le 8 août et le 20 août, alors là, Vénus, elle joue des tours à tout le monde, hein, parce que c'est général. Elle se met en quadrature avec Jupiter et Mars et en opposition à Saturne. Ça veut dire qu'elle met un peu un coup de frein chez tout le monde à ce qu'elle a un peu porté en juillet. Mais en fait, vous, c'est au niveau du stress. En réalité, ça marche tellement bien pour vous, vous êtes tellement dans le bonheur que vous stressez. Vous pensez, ça ne va pas durer. Voilà, vous savez que vous êtes le signe de l'équilibre. Et lorsque c'est déséquilibré, alors évidemment, quand c'est déséquilibré parce que ça va mal, on comprend que vous soyez stressé comme tout le monde. Mais vous, quand c'est déséquilibré parce que ça va trop bien, vous êtes stressé aussi. Donc c'est ça en fait. Vous vous dites, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais... Enfin, est-ce que c'est sur moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui suis dans ce bonheur? Est-ce que ça va durer? Voilà. C'est comme ça. Pourtant, les contrats se signent, l'amour est là, ou une rencontre magnifique sur la route n'est pas loin du tout. Bref, ça roule, ça avance, ça monte. Du 21 au 29 août, ouf, le cap est passé. Peut-être êtes-vous en vacances d'ailleurs. Donc, vous sentez que finalement ça s'est bien passé. Finalement, rien ne s'est cassé là. Peut-être que vous vous reposez, peut-être que vous bénéficiez de tout cela et que vous sentez que ça se met en place, que ça, voilà, c'est là, ça reste et ça vogue vers la rentrée. En fait, on pourrait vous dire, eh bien, dansez maintenant, parce qu'il est évident que vous avez beaucoup travaillé. Allez, disons-le, ça n'est pas pour rien que vous en êtes là. Et comble du comble, comble du comble. Vénus arrive chez vous le 30 août pour boucler l'été, vous voyez. Alors, le bébé est là, l'amour est là, la rencontre a été faite et elle prend, pouf, de l'envergure, la maison est trouvée, on va emménager, les contrats sont signés, vous augmentez financièrement. Bon, pff, voilà, hein. Vénus qui rentre chez vous le 30 août, waouh, c'est le gage d'une rentrée magnifique quand même. Hein. Bon, qui n'aimerait pas commencer septembre avec Vénus au début de son signe? Voilà, moi ça me plairait. En conclusion de cet été, le bonheur sera là, notamment à partir de la fin juillet. Disons que là, vous vous direz, mais ça fonctionne, ça marche.
et le mois de septembre sera à marquer d'une pierre blanche. Allez, le message de la vie pour vous en cet été. L'équilibre. L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Ça, c'est beau. Avouez quand même que ça vous va bien. L'évidence provient de ta lumière. C'est magnifique. Ami Balance, bel été à vous. Ami Scorpion, alors vous êtes le signe qui avait en face de vous Uranus et Mars, donc là, à la mi-juillet. Puisque Uranus-Mars, la conjonction Uranus-Mars, qui est la plus explosive du zodiaque, est en taureau en face. Alors, vous démarrez l'été soit avec un ennemi juré en face de vous, un gros procès, un vrai problème à régler, un ennemi juré, soit vous démarrez l'été avec une passion immense, une rencontre ou qui a été faite ou qui est là, énorme, qui vous met dans un état de stress émotionnel incroyable. Dans les deux cas, sachez qu'il y aura une incidence, évidemment, sur le reste de votre vie. On ne passe pas un clash comme ça, clash avec un ennemi ou clash passion, coup de foudre amoureux, sans qu'il y ait une incidence pour la suite. Soit une déception, un discrédit qu'il faudra digérer, mais vous le ferez, vous êtes le signe de la renaissance. Soit, eh bien, l'entrée dans une passion qu'il faudra digérer aussi, parce qu'il faudra quand même y mettre un peu de principe de réalité. Mais de toute façon, à la fin de l'été, vous aurez réglé quelque chose de très important. Et finalement, avec une certaine facilité assez déconcertante. Du 17 au 28 juillet, vers le 17, Mars quitte le taureau. Elle y était depuis un mois quand même, et surtout là, ces derniers temps, avec Uranus qui est à la fin des taureaux. Et elle passe donc en Gémeaux. Ouf. Mais alors là, plus que ouf pour vous. Ça veut dire que soit, ben vous avez réglé le problème, hein, cet ennemi en face, c'est fini. Enfin, disons que il va y avoir un petit ciel de traîne parce que c'est un gros truc, mais ça prend une tournure de règlement, quoi. Voilà, on maîtrise. Soit cette passion amoureuse, parce que ça peut être ça aussi, hein, c'est compliqué là de savoir, c'est selon votre natal, hein, ce que vous avez justement en taureau comme maison, comme planète déjà. Soit cette passion amoureuse prend, disons, une tournure plus réaliste aussi. En tous les cas, plus saine, moins émotionnellement qui vous aveugle. Donc c'est pas mal aussi, parce que c'est important de savoir quand même où on met les pieds. De la fin juillet au 7 août, c'est la nouvelle lune en Lion. Alors, pour vous, ça représente le domaine des projets. Et c'est très important parce que ça prouve, justement, que cette nouvelle lune en Lion, qui démarre donc un nouveau mois lunaire vers la fin août, eh bien, vous met dans une autre posture bien plus positive, vous met en projet, en fait. Enfin, vous pouvez vous mettre en projet pour la rentrée. Pour moi, vraiment, vous avez réglé quelque chose. Que ce soit, évidemment, donc une procédure ou bien un ennemi, ça, on est d'accord. Mais même au point de vue amoureux, il est tout à fait possible que vraiment, ça vous ait un peu posé problème, ce coup de foudre, quelle que soit la façon dont ça s'est produit ou quel que soit ce qui s'est passé. Et vous allez vers une normalisation de tout cela qui vous convient parfaitement bien. Quelle que soit finalement aussi la solution que vous décidez de prendre. C'est ça qui compte. À partir de là, vous pouvez regarder ailleurs, vous pouvez faire les volets projets jusqu'en septembre. Et puis du 8 août au 20 août, c'est Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge. Alors, Vénus qui rentre en Vierge, c'est pas très agréable parce qu'elle prend un petit côté froid, un petit côté raisonnable. Mais justement, c'est ce qu'il vous faut en ce mois d'août. C'est ce qu'on a dit.
parce que la passion ne vous réussit pas toujours. Là, en juillet, ça a été un peu compliqué à gérer. Vous aurez fait une démarche dans votre tête pour savoir, notamment si on parle de passion amoureuse, si finalement cette relation vous convient ou pas, si vous êtes sous une emprise. Ça arrive aussi, ça vous arrive, ça. Aussi bien vous mettez les gens sous emprise, mais parfois c'est le contraire. Vous avez un peu du mal à être en équilibre dans vos relations, disons, un peu passionnées. Hein. C'est normal, surtout vous. Donc, voilà, cette rentrée de Vénus, planète de l'amour en Vierge, qui devient un peu froide, un peu raisonnable, continue tout le mois d'août à vous mettre des barrières, ou pas, ou des, disons, un phénomène un peu de rééquilibrage. Et ça, c'est important quand même, parce que vous avez besoin d'équilibre, mine de rien, surtout lorsqu'il s'agit de relations intimes. Et puis, du 21 août à la fin août, vous allez finalement couler des jours heureux, mais complètement heureux. Donc, vous voyez que tout va être réglé pour enfin vous reposer. Vous en avez besoin, hein, de toute façon, tel qu'on vous connaît, votre rentrée est prête. Donc, en fait, vous allez enfin pouvoir vous détendre et entourer de personnes qui vous conviennent, qui sont dans la tendresse, qui sont dans la confiance, et vous aussi, d'ailleurs, avec ces personnes-là. C'est important, ça vous ressource énormément, vous, d'être en confiance. Alors finalement, Scorpion, c'est un été qui démarre sur les chapeaux de roue, hein, très violemment même, on peut dire violemment. Hein. Quel que soit, si c'est au travail, si c'est personnel, etc., c'est assez violent. Vous pourriez même avoir une altercation avec une femme, c'est assez violent. Et puis finalement, qui se règle assez vite, parce que bah, la vie et vous ferez ce qu'il faut. Voilà, vous arriverez avec cette entrée de Vénus en Vierge à rééquilibrer les choses. Peut-être que vous vous reposez, peut-être que vous bénéficiez de tout cela et que vous sentez que ça se met en place. Que ça, voilà, c'est là, ça reste et ça vogue vers la rentrée. La parole de la vie pour vous, le message que la vie vous envoie en cet été. Les nœuds karmiques, l'avenir se joue au présent. Et oui, vous voyez comme vous serez impliqué en ce début d'été. Et vous y jouez votre avenir. Mais ça se passera bien, vous verrez. Je vous souhaite un magnifique été. Amis Sagittaires, à partir de la mi-juillet, Vénus se trouve dans un secteur de contrat, de signature de contrat, de voyage aussi, de déplacement, de prise de contact. Donc, les 15 jours, les 15 derniers jours de juillet en gros, vont être dans ce sens-là, à savoir que vous allez peut-être boucler des affaires, voir les derniers clients, ou bien au contraire, avoir des contacts familiaux ou des contacts avec les amis, un voyage de prévu. Bref, ça sera très communication. Et à partir du 17 juillet jusqu'au 28 à peu près, alors là, un grand déclenchement, car la planète Mars arrive en Gémeaux en face de vous. Avoir Mars en face, c'est très tonique. Ça veut dire qu'on vous fait des propositions, ça veut dire qu'on vous dynamise. Bon, c'est déjà un signe de feu, c'est pourtant pas tellement nécessaire, mais si, c'est l'été, allez, allons-y. On va même vous confirmer les accords qui sont passés, les contrats se signent, on vous confirme les négociations que vous avez entamées, qui prennent donc une tournure absolument positive et qui se règlent formidablement bien. N'oubliez pas de vous féliciter. Et oui, c'est important de reconnaître ces réussites. Entre la fin juillet et le 7 août, c'est la nouvelle lune en Lion. Signe de feu comme vous. Un nouveau mois lunaire commence. Waouh! Pour vous, c'est la nouvelle lune en Lion, c'est formidablement porteur de lumière, de solaire, de chaleur. Et oui, et vous serez effectivement extrêmement porté. Et pourtant, Vénus sera à ce moment-là, elle se met en quadrature, en aspect de tension avec Uranus. Et en opposition à Saturne, car elle rentre en Vierge. Et ça, Vénus en Vierge, déjà, ça ne vous convient pas trop, parce que Vénus, c'est l'amour,
voilà, tout ce qui est passionné, et la Vierge étant un signe un peu froid, Vénus en Vierge, elle n'est pas trop à sa place. Ça veut dire que, boum, il y a des nuages qui s'amoncellent dans le ciel. Et ça va. Alors, c'est pour tout le monde, je vous le dis. La position de Vénus à ce moment-là dans le ciel, évidemment, c'est pour tout le monde. Pas que pour vous, mais évidemment, du coup, bah, ça, vous aussi, ça vous entache. Et ça veut dire que certains de vos projets ne se feront pas ou seront décalés. Donc, après, à voir. Peut-être qu'un voyage prévu ne se fera pas, un ami est malade ou il ne peut plus, ou vous-même, vous ne pouvez pas, vous avez un aléa, etc. Il y a quelque chose qui vous contrarie légèrement, je dis bien. Et tout ça pour des questions d'organisation, ou je vous dis de contretemps, un peu de dernière minute. Du coup, vous prendrez un peu le temps de la réflexion et vous allez tout de suite vous organiser autrement. Et ce qui est rigolo, c'est que entre le 8 et le 20 août, eh bien, la solution viendra de l'extérieur, d'ailleurs. Donc peut-être que c'est bien quelqu'un qui était fatigué, qui finalement va mieux, qui finalement peut rentrer dans ce projet, ou bien vous-même, enfin dans votre couple, peut-être que la personne avec qui vous vivez ne pouvait finalement pas faire certaines choses à certains moments, et ça s'arrange. Bon. Ça s'arrange. Et à la fin du mois, entre le 21 et le 29, ça y est, vous reprenez le collier en main. Ce qui n'avait pas pu être possible va l'être, même si c'est peut-être un peu décalé. En tous les cas, vous entamerez le mois de septembre, l'esprit tranquille, avec des projets faisables et de la passion aussi autour de vous. En fait, c'est un été pas comme les autres, puisque quand même, vous avez évidemment Jupiter en face. Hein, on ne l'a pas redit, mais on le sait. Donc, magnifique planète. Donc c'est quand même, quand on a Jupiter en face, c'est pas rien. Et vous l'avez jusqu'en juin 25. Donc ça n'est pas fini. Finalement, Jupiter en face, c'est les coups de cœur, les coups de gueule, les coups de foudre, les coups de chance, l'exagération par moment. Finalement, ça fonctionne pas, mais c'est après, etc. Parce qu'on y a, voilà, on a trop, on s'est monté, etc. Jupiter, parfois, elle monte la mayonnaise, on la monte, et puis tac, elle vire. Ça peut arriver, c'est votre planète, vous la connaissez bien, et c'est un peu votre tempérament aussi, parfois de mousser, et puis finalement, la mousse, plou, ou le flan, ou le soufflet, voilà, bon, vous connaissez toutes ces fameuses expressions. Mais en fait, disons-le, c'est quand même un peu la vie, comme vous l'aimez, finalement. Le message, justement, de la vie pour vous, en cet été, amis Sagittaire, les nœuds karmiques, l'avenir se joue au présent. Et oui, c'est bien ça. Vous résoudrez les choses pour un avenir radieux, je vous le souhaite. Bel été à vous! Capricorne, à la mi-juillet, Vénus a quitté le signe du Cancer en face de vous. Mais elle y restait pendant un mois. Donc, Vénus en phase a dû vous apporter des rencontres très porteuses, un relationnel important dans votre travail, parmi vos amis, des prévisions, des organisations avec les gens, voire même, et oui, voire même, une grande rencontre faite pour durer. Et si vous étiez déjà en couple, eh bien, il y a certainement un événement dans votre couple très positif et très porteur qui se sera produit. Il faut dire aussi qu'en même temps, en cette mi-juillet, il y a la fameuse conjonction aussi qui a joué entre Mars et Uranus, la plus pétante des conjonctions. Mars, nos actions, nos réactions, notre agressivité aussi par moment, et Uranus, le volcan, les changements volcaniques. Donc, carrément, ça a joué dans votre camp et il est évident que des choses se sont passées qui ont pu être une petite révolution pour vous. Cette conjonction vous incite à prendre enfin des risques. Des risques qui vous paraissent importants, mais qui vont vraiment vous faire faire des pas de géant. Et vous allez y aller, vous allez y aller. Entre le 17 juillet et le 28 à peu près, Mars donc rentre dès le 17 en Gémeaux. Alors là, c'est votre quotidien qui se trouve impacté.
Mars, qui vient de vous faire faire des actions importantes qui rentrent dans votre quotidien, elle perdure en fait ce qu'elle a lancé ici. Et tout ça pour votre plus grand bien. Vous ne lâcherez pas la pression. Que ce soit pour une rencontre amoureuse, que ce soit un bel événement un peu risqué, mais dans votre couple, l'achat d'une maison, un bébé qui arrive, etc. Ou que ce soit dans le travail, les risques que vous avez pris, les actions que vous avez menées, toniques cette fois, eh bien, vont se révéler très porteuses. Et puis évidemment, Vénus en Lion indique que vous êtes sur un tournant à 180 degrés. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des relations, hein, sociales, humaines en tous les cas. C'est aussi la planète des finances. Donc on voit que ça bouge. Hein. Le fait de bouger matériellement, le fait de bouger dans votre couple, avec votre compagnon, votre compagne, d'avoir peut-être une rencontre importante, d'avoir au travail une proposition ou quelque chose de très dynamisant, eh bien, marque un tournant à 180 degrés. C'est un été à tournant. Et cette fois, vous ne passerez pas à côté. Entre la fin juillet et le 7 août, c'est la nouvelle lune en Lion, mais c'est aussi surtout l'entrée de la planète Vénus pour vous en Vierge. La Vierge, grand ami à vous. Alors, imaginez-vous, la nouvelle lune en Lion qui va dynamiser votre foyer, votre intime, votre famille, et Vénus qui rentre en Vierge pour soutenir vos rencontres, votre relationnel très important, ça va faire un mélange très dynamique et très porteur, effectivement, là encore, parce que le nouveau mois lunaire en Lion, il est lumineux, on est dans la lumière, on est dans les choses qui se mettent en plein jour, et Vénus en Vierge vous porte complètement au niveau communicant, rencontre amoureuse, amour dans le couple, amour dans la famille, tendresse, belle relation, etc. Là, il y a quelque chose de très porteur et de très porté. Alors, suite du 8 au 20 août, c'est une période un peu bizarre, mais rassurez-vous, c'est pour tout le monde. Vénus, dans le ciel, rentre en quadrature avec trois autres planètes, et notamment, enfin, en opposition notamment à Saturne, et oui, puisque Saturne est en poisson, et elle met un coup de frein à tout ce qu'elle avait proposé au départ. Et c'est, je vous le répète, c'est vraiment général. Pour vous, ça sera des oppositions professionnellement, dans vos activités, qui se déclareront, ça peut être aussi par jalousie ou bien par concurrence sur quelque chose. Et en même temps, au niveau amoureux, foyer, relationnel, c'est excellent. Alors on a un peu ces deux plans, les activités, le travail, où ça pose quelques problèmes qu'il va falloir régler. Et puis le niveau relationnel amoureux qui lui est bien porté et vous avez plus envie d'aller pour une fois vers le côté amoureux que vers le travail. Heureusement, les vacances sont là, sauf si vous faites partie des gens qui travaillent encore plus en été, je ne vous le souhaite pas. Mais voilà, vous allez vous porter, d'après moi, vu les petites planètes qui tournent, vous allez un peu lâcher le côté affaires, que vous retrouverez à la rentrée de façon très performante, pour vous tourner vers le côté personnel, relationnel, porteur, enfin bref, un peu profiter de la vie, quoi. Et en effet, du 21 au 29 août, les étoiles dans le ciel vous portent à vivre l'amour pleinement. Soit vous avez fait une rencontre, comme on l'a dit précédemment, avant l'été, et elle prend vraiment de la place, elle s'installe, peut-être même allez-vous aménager ensemble, soit vous êtes déjà en couple et il y a de belles choses que vous prévoyez pour la rentrée. Bref, hein, voilà, tout va bien et c'est vraiment ce côté-là de paix, de tranquillité, de tendresse qui sera complètement privilégié jusqu'à la fin du mois d'août. De quoi allier bonheur et sérénité. Ça teinte joliment à vos oreilles. En fait, Capricorne, un été très tonique, en tout cas le début d'été, au niveau de juillet, quoi, de vos activités, de votre travail, avec même peut-être une opportunité à saisir, même s'il y a justement du remue-ménage et du remue-ménage, mais bon, vous gérerez. Et en même temps, dans le relationnel, dans l'amour, soit une rencontre très importante qui ne demandera qu'à s'épanouir sérieusement,
soit de belles positions dans le couple, des choses que l'on va poser pour une nouvelle route ensemble. Le message de l'oracle pour vous, Capricorne, pour cet été. Lâchez prise, je te vois tel que tu es. Et oui, le relationnel va avoir vraiment beaucoup d'importance pour vous en cet été et vous aborderez l'amour, la tendresse, certainement différemment de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Bel été à vous, Capricorne. Amis Verseau, vous avez commencé le mois de juillet avec la planète Vénus, l'amour, les belles relations, les belles communications en face de vous puisqu'elle est en Lion. Donc, je pense que ce début juillet a dû véritablement vous porter dans le relationnel, les conversations, voire même une grande rencontre, une nouvelle rencontre. Si vous étiez célibataire, si vous êtes en couple, il est possible que vous ayez une très belle nouvelle pour votre couple. Déjà, en même temps, on peut imaginer que vous envisagez un déménagement, une installation ailleurs, une nouvelle activité ou bien toute autre chose, monter votre entreprise. Et donc, effectivement, cette nouvelle rencontre qui peut se promener dans l'air. La deuxième partie du mois de juillet voit l'entrée de Mars en Gémeaux. Mars, nos actions, nos réactions, notre colonne vertébrale, voilà, parfois même, ça peut être même notre agressivité. Mais là, pour vous, c'est de la tonicité. Le signe des Gémeaux, c'est un grand ami à vous, il représente votre bonheur. Alors imaginez-vous, Mars qui rentre en Gémeaux, c'est véritablement une vitalité extraordinaire pour vous. Dans le bon sens, l'optimisme, les choses qui fonctionnent bien. En plus, en Gémeaux, il y a Jupiter qui vous protège aussi jusqu'en juin 25, elle est en Gémeaux, Jupiter. Et imaginez-vous que Mars va à la rencontre de Jupiter. Et ça, c'est extraordinaire pour vos affaires. Vous allez vous retrouver en haut de l'affiche. De la fin juillet au 7 août, c'est la nouvelle lune en Lion. Là encore, le Lion, c'est un signe très 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 bon pour vous. Ça met la lumière, ça déclenche les choses, le Lion. C'est un signe très charismatique. Évidemment, il est en face de vous. Donc, imaginez-vous que c'est formidable, cette nouvelle lune en Lion, pour vous. Ça signe vraiment l'entrée dans un nouveau mois lunaire qui sera porteur de nouveautés. Et dès que vous entendez le mot nouveauté, ami Verseau, cling, 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 ça tintibule à vos oreilles. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur ou de l'amour, tout simplement, c'est quand même une bonne période. Du 8 au 20 août, c'est pour tout le monde dans le ciel, Vénus rentre en aspect de grande tension avec donc Mars et Jupiter et avec Saturne en face puisque Vénus est passée en Vierge. Alors, c'est pour tout le monde, hein, dans le ciel, il y a un moment, plouf, on plonge. Couac, retard, c'est compliqué, ce qu'on avait prévu ne fonctionne pas tout de suite, il y a des décalages, bon, et vous n'y couperez pas, ça sera pour vous un temps de tension, mais niveau sans doute financier. On vous connaît, vous aimez faire plaisir aux vôtres, vous ne regardez pas à la dépense, peut-être recevez-vous chez vous de la famille, ou peut-être êtes-vous reçu et vous amenez des cadeaux, bon, en attendant, ce n'est pas dramatique. Mais bon, bah voilà, gardez un petit peu de sous pour la rentrée. On en aura tous besoin. Mais malheureusement, vous, vous pensez souvent, mais la vie est courte. Et je dois bien reconnaître que c'est bien vrai. Du 21 au 29 août, tout s'arrange. Et il n'y a pas que pour vous, hein. Je vous dis, c'est Vénus qui nous joue des tours. Alors là, au contraire, elle est en trigone avec Uranus, votre planète, et ça, c'est magnifique pour vous. Bref, ça y est, ça s'allège, ça se lève, et vous pourriez même avoir une super surprise, soit amoureuse, soit de relationnelle, des gens qui vous font plaisir, qui vous font peut-être un gros cadeau,
ou une invitation magnifique, soit financière. Ah, le Verseau adore les surprises. Adore les surprises. Eh bien voilà, on y sera. En fait, ami Verseau, si on résume un peu, vous allez passer un été très important, mais au niveau relationnel, vraiment. De votre bonheur relationnel, ça va être très porteur. La seule ombre au tableau, c'est peut-être un peu le côté financier, mais bon, c'est pas non plus pour vous, on sait très bien que l'argent, c'est pas une référence, mais il en faut, hein, il en faut. Alors faites un petit peu attention quand même. Les gens vous aiment, ils viennent pour vous ou ils vous invitent parce que c'est vous. Voilà, hein, pas toujours besoin d'arriver les mains pleines, même si ça vous fait plaisir. Vous serez transporté pour la rentrée vers un très grand bonheur, donc peut-être aussi, et si vous le désirez, et sûrement même d'ailleurs, une très belle rencontre. Alors voyons maintenant pour vous le message de la vie. Le temps vous accompagne, l'amour se vit comme au premier jour. C'est beau ça. Voilà pour vous, ami Verseau. Magnifique été à vous. Apparemment, en cette mi-juillet, vous êtes en train de boucler vos affaires, les derniers dossiers, au niveau de vos activités, vous réglez tout ce qui est à régler et vous préparez votre rentrée automnale. Et oui, c'est comme ça. Et puis, du 17 au 28 juillet, l'entrée de Mars en Gémeaux vient ouvrir encore votre relationnel. Donc là encore, les derniers contacts que l'on prend, des propositions que l'on vous fait, une réflexion par rapport à cela dans vos activités, dans votre travail, c'est tout à fait possible. Et puis en même temps, le fait que Mars vienne rencontrer Jupiter, donc dans le signe des Gémeaux, parle pour vous du foyer, de la famille. Ça veut dire que si vous bouclez aussi vite ou avec autant d'empressement vos affaires matérielles en cet été, en ce début d'été, c'est sans doute que vous avez une autre idée pour vous à la rentrée, une idée qui a trait à la famille. Un grand projet en couple, une rencontre que vous avez faite il n'y a peut-être pas très longtemps et qui vous amène à voir les choses tout à fait autrement. Bref, familialement, dans le foyer, dans votre intime, relationnellement, il y a quelque chose, une décision que vous prenez très importante et qui, évidemment, bouge beaucoup les lignes. Entre la fin juillet et le 7 août, c'est la nouvelle lune en Lion. Alors cette nouvelle lune en Lion, qui démarre donc un nouveau mois lunaire, va vraiment vous inviter à tout boucler. Voilà, l'esprit tranquille et pouf, il se trouve qu'à ce moment-là, Vénus passe en Vierge, clouc, en face de vous. Alors quand Vénus est en face, c'est qu'en face, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de l'attention très personnelle. Vous voyez, tout colle. Donc on voit bien que soit vous savez que vous attendez des personnes que vous aimez et vous voulez être libre, mais je pense que c'est bien plus que ça. Vous avez un projet familial en tête, très important. Peut-être emménager avec quelqu'un d'ailleurs, peut-être faire un bébé, peut-être un déménagement dans une future maison qui vous correspond mieux en couple, ou effectivement l'emménagement avec une personne bah, change votre quotidien, peut-être aussi par rapport à vos enfants, etc. Donc voilà, des choses qui bougent beaucoup, personnellement, intimement. Du 8 août au 20 août, Vénus dans le ciel, et c'est pour tout le monde, on a tous une petite baisse là, à ce moment-là, se met en quadrature avec des planètes importantes, et notamment, elle se met en quadrature, elle se met en opposition à Saturne, qui est chez vous, puisque Saturne est dans votre signe. Et pour vous, eh bien, vous êtes le signe pour qui cette Vénus qui se met en quadrature avec Jupiter-Mars et en opposition à Saturne, eh bien, elle sera la plus porteuse de tous les signes. Pourquoi ? Parce que Saturne est chez vous, fondation sérieuse, les projets, mais vraiment à long terme, et que donc, eh bien, on a ici, on a à ce moment-là, un temps de réflexion pour comment on va s'organiser matériellement.
Et ça, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un projet soit de couple, qui concerne certainement en tout cas la famille, donc en couple, quand un nouveau bébé qui arrive, ben c'est une organisation, ou au contraire, un enfant qui s'en va du foyer, on remarque un peu ses billes, on repose tout, c'est une organisation, emménager avec quelqu'un, c'est une organisation. Bref, il y a un temps vraiment d'organisation matérielle important qui va vous amener à des décisions pour coller à ce que vous voulez, à vos désirs, mais en même temps, évidemment, au principe de réalité. Pour une fois, vous allez être très réaliste, ami poisson. Bon, je pense que vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Vous serez aidé par l'autre ou par les autres. Et puis finalement, du 21 au 29, Vénus, toujours en face de Saturne, donc en face de vous, s'allège parce qu'elle trouve une solution. Elle rentre en très beau trigone avec Uranus, les solutions, les changements et les solutions originales. Donc en fait, vous trouverez la solution où elle viendra à vous, là où les solutions qui vous permettront évidemment d'aller vers ce vers quoi vous prévoyez d'aller depuis largement le début de l'été, voire le printemps dernier. En conclusion, amis poissons, ça sera un été très tonique, surtout au niveau du couple, de l'intime, du personnel, de l'amour, quoi, de l'amour en couple ou dans votre foyer, votre famille. Et malgré un petit contretemps matériel que vous gérerez, eh bien, vous vous préparez une très belle étape dans un grand bonheur. Et nous allons voir maintenant le message de la vie pour vous. Un cheminement, je crois que ça fait 5 fois qu'elle sort. C'est vraiment pas un hasard. Chaque voyage commence par un rêve. Ça vous va bien, ami poisson, vous rêvez votre vie, mais en tout cas cet été, eh bien vous pourrez la vivre. Magnifique. Bel été à vous.